17 mai 1986, 5 jours après les obsèques solennelles de Gaston Defferre, Marseille se donne un nouveau maire. Est-ce que dès mai 86, vous aviez envisagé de vous représenter, de continuer le mandat? Oui, je l'ai annoncé à ce moment-là. Je n'abandonnais pas un métier que j'aimais beaucoup, la neurochirurgie, l'hôpital, pour venir avoir un titre pendant 3 ans. Je sais que pour pouvoir exprimer ce que l'on pense, ce que l'on veut faire, il faut quand même un certain nombre d'années. Donc, dès le départ, j'ai dit, non, je serai un nouveau candidat. Fi donc de l'idée reçue du maire de transition. Mais alors pourquoi ses amis socialistes, envieux, ses alliés communistes, vigilants, et ses adversaires de droite, imprudents, ont-ils sous-estimé ce maire candidat qui n'aime rien tant que de serrer des mains? C'est bon ces visites, on rencontre du monde, on discute, on voit, la population. Et de calquer son style sur celui de François Mitterrand. La politique, de gauche, mais sans avoir l'air d'y toucher. Vous êtes un candidat d'ouverture mitterrandien, un type... Je pense qu'actuellement, c'est ça la véritable politique avec un grand P. Je vais avoir des électeurs, je pense, dans les différents courants, dans les différents partis. Donc, c'est plus dans le sens d'un rassemblement que d'un découpage. Ce découpage très politicien ne correspond plus aux réalités modernes. On veut le maintenir. Il n'existe plus. Père de 5 enfants et déjà grand-père 3 fois, Robert Vigouroux gère donc son affaire comme d'autres leur budget familial. Plus de bon sens que de technique, plus d'intuition que de calcul, avec la certitude d'être en politique un précurseur de la société civile de demain. Vous avez une ambition pour Marseille? Laquelle? L'ambition que Marseille soit une ville, je l'ai dit, une ville prospère où tous puissent être heureux. Bon, c'est un vœu. Je crois que c'est le vœu que tous les maires peuvent et doivent faire dans toutes les villes. Je suis ravi de vous voir à notre magasin. Moi aussi. Voilà. Non, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne chance pour les élections.